Écoute, je sais que tu as commencé l'athlétisme vers 9 ans, c'est ça? Vers 9 ans. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es tombé dans ça? J'ai commencé à faire des entraînements à Vidal. Et puis, je m'entraînais dur. Je courais, je faisais des endurances, je lançais, je sautais, je lançais des disques, etc. Pourquoi tu aimes l'athlétisme? Qu'est-ce que tu kiffes dans ce sport? Eh bien, ce que je kiffe le plus, ce sont mes courses. Parce que quand je fais une course, je sens beaucoup de puissance, puis beaucoup de détermination. Avoir de la concentration, je trouve, mais que c'est une chose qui est importante. Tu as été 3 fois champion d'athlétisme dans ta catégorie cadet et tu bats tes propres records. T'es un guerrier. J'étais champion d'athlétisme depuis 3 ans. Je vais me remotiver, m'améliorer et puis rebattre tous mes records, refaire ces entraînements durs. Tu t'entraînes à combien d'heures par semaine? Eh bien, je m'entraîne 3 jours par semaine, on va dire ça. Et qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'athlétisme? Le plus difficile, ce sont les entraînements durs. Quand je cours dans le soleil, des fois, à la fin, je tombe, j'ai une impression d'envie de vomir et d'envie de faire un malaise, mais je me retiens. Et puis, des fois, je n'arrive pas à me relever. Quand le coach dit « Go », là, tu pousses, comme ça.